derrière, juste le vélodrome. C'est un truc de ouf. Voilà. C'est monumental. Incroyable. On va en parler un petit peu. On va parler de ça justement. La ville. Beaucoup de vent. La nature. La nature et le béton aussi. En fait, est-ce que vous pouvez imaginer à un moment donné qu'il n'y avait rien ici là? Voilà. On est à Marseille, vous avez vu, hein, pas normal. Hein. Il n'y avait rien du tout. Rien. On a créé de la matière avec de la matière. Avec de la technologie, de la haute technologie. L'artisanat. Des atomes qui fait qu'on en est là, qu'aujourd'hui bah, y a des mégalopoles dans le monde entier avec des millions et des millions et des millions d'habitants, des capitales, des mégacités, des quartiers, et voilà, on a réduit toute cette dimension philosophique liée à la cité, au forum, à la discussion, à la communication, toute cette liaison par rapport à la civilisation de l'être humain, et qui ferait que normalement on devrait vivre quand même en démocratie, être libre de ses choix et d'avoir envie d'habiter où on a envie d'habiter, parce que je crois que c'est le principal en fait dans une démocratie, c'est d'habiter où on a envie de vivre, c'est pas forcément d'habiter dans un bidon. La réduction du mot cité au cité. Cité de Roma. Les quartiers nord, les quartiers sud. J'avais vu les blocs là que je vous montrais derrière là, pas très très bien. Derrière le vélodrome, c'est incroyable. Dans les quartiers nord, il y a des blocs de ouf. Quand on arrive sur Marseille, même en train ou en voiture, de Paris, il y a des blocs de malades, mais il y en a aussi à Lyon, il y en a aussi à Paris, il y en a à Lille, à Strasbourg, toujours à la périphérie, toujours excentré, mis de côté, là-bas. Et pourtant, je sais pas, dans l'histoire de ces quartiers-là, on sait qu'à la base, c'était pas forcément réalisé, construit pour les immigrés, pour les Noirs et les Arabes, en gros, quoi. Au début, il y avait des pompiers, il y avait des keufs, il y avait des personnes d'origine italienne, espagnole, portugaise. Et après, les maghrébins sont arrivés. Là, on est à Marseille. Les maghrébins, ils sont présents depuis très, 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 très longtemps, puisque c'est un port. Voilà, aussi. Donc, c'est aussi Marseille aussi. C'est pour ça aussi que je fais cette vidéo aussi à Marseille. En tout cas, que je suis inspiré pour la faire. C'est que... il n'y avait rien. Voilà. Il n'y avait rien. Et voilà, regardez tout ce qu'il y a aujourd'hui. Et il y a des gens qui vivent dans la misère que vous ne pouvez même pas imaginer ici, là, dans Marseille, et dans Paris, et dans les banlieues, et dans ces quartiers mal famés. Et qu'est-ce qui a construit en fait ces villes-là? C'est qui en fait qui les a construites? Peut-être que ceux qui sont les architectes, peut-être que ceux qui ont le pognon, etc., c'est entre guillemets les Français de souche. Mais qu'est-ce qui les a construits? C'est qui les ouvriers? Qu'est-ce qui a construit tout ça? Qu'est-ce qu'avait le savoir-faire, le temps et l'énergie pour mener à terme ce genre de projet? C'est qui? C'est comme au Qatar, là. Là, on voyait le vélodrome, ce qui se passe avec le mondial, le football, ces millions de personnes qui sont décédées en construisant des stades, etc., etc. Ce qu'on peut voir à Dubaï avec les Pakistanais, avec les Indiens qui viennent travailler pour rien, qui
maltraite, etc., etc. Moi-même, je suis allé à Dubaï, je l'ai vu de mes propres yeux. Donc, moi, je veux pas jouer le révolutionnaire, etc., etc. Je suis pas un Black Panther, je suis pas Malcolm X, j'ai des choses à dire. Et vous savez, là, il y a un truc, c'est qu'on est toujours en train d'instrumentaliser toujours les Noirs, et tout, encore plus que les personnes d'origine italienne ou portugaise ou européenne, finalement blanche. Hein. Il y a un délire de blanc, il y a un délire de noir, arabe, de métis. Et aujourd'hui, dans le divertissement, dans la musique, on a encore les mêmes schémas. C'est-à-dire qu'on met de côté des gens extrêmement talentueux qui... C'est eux qui divertissent le plus, ceux qui vendent le plus, c'est eux les plus bankable, ceux qui arrivent à réunir énormément de monde, en plus autour de, d'une certaine manière, autour de, d'une beauté, hein, d'une beauté liée à la diversité. Ce qui se passe, c'est qui les organisateurs? C'est qui les organisateurs? C'est toujours les mêmes. Et les organisateurs, c'est eux qui décident qu'est-ce qu'il va y avoir aux victoires de la musique. Parce que là, moi, je parle de musique, mais en même temps d'urbanisation, d'urbanité, de la ville, du quartier. Les gens qui ont fait le mouvement hip-hop, c'est pas les architectes, hein. C'est les gens qui ont vécu dans ces quartiers-là, on disait malfamés, coupe-gorge, dans ces quartiers-là. C'est les gens qui ont vécu dans ces quartiers-là, c'est nos parents qui ont construit ces villes-là, qui ont fait qu'elles sont rayonnées, qu'elles rayonnent encore aujourd'hui, qu'elles existent aujourd'hui, qu'il y a des appartements aujourd'hui qui valent des millions d'euros, qui ont été construits pour rien du tout, par des ouvriers qui venaient de l'autre côté de la planète, notamment du Maghreb. Du Maghreb. Moi-même, je suis un fils d'ouvrier. Moi, j'ai vu mon père. J'ai vu mon père, moi, aller travailler. Moi, j'ai vu ma famille aller travailler. J'ai vu... ma famille se faire humilier, même si bon, j'avais un père qui avait un sacré caractère et qui s'est pas laissé faire. Voilà, assez intelligent aussi pour à un moment donné faire ce qu'il y avait à faire au judiciaire pour récupérer ses droits et sa dignité. Voilà, parce que heureusement on vit quand même dans un pays où il y a tout ça, c'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça que je crache pas moi sur la France. J'aime la France. Je suis fier d'être français. Mais on en est encore à un stade où, voilà, aux victoires de la musique ou dans les grandes écoles, le commerce, c'est toujours les meilleurs arabes, les meilleurs noirs. C'est pas en fait à tout le monde en fait. Voilà, comme ça pourrait donner à n'importe quel blanc de faire ce qu'il a envie en fait dans la société. Urbaine, il parle de... C'est ça en fait le sujet là, de cette vidéo, hein, c'est la musique urbaine, là, tout ce qu'on entend par rapport à la musique urbaine. Tout ça. Moi j'écoute pas trop tout ce qu'il y a au niveau du rap actuellement, les plus jeunes là, qui font des millions de vues, qui vendent des milliers, des millions d'albums, qui ont des disques d'or, des disques de platine, qui voilà, et notamment aussi à Marseille, hein, ça marche super bien. Je sais pas, moi je vois personne crier, gueuler, manifester. Sur les réseaux sociaux comme ça s'exprime vite fait dans les médias, ça s'exprime vite fait, mais c'est un scandale. C'est un scandale. Je parle pas pour moi, parce que moi je suis pas chanteur. Toujours, il faut toujours être le meilleur. Quand t'as un arabe ou un noir, il faut que tu sois le meilleur de meilleur. Il faut que tu sois 4 fois, 5 fois, 7 fois, 1000 fois. Meilleur qu'un blanc pour avoir ce que lui il a en fournissant moins d'énergie. Voilà. C'est comme ça. C'est pas racisme ce que je dis. C'est pas du racisme. Je parle de racisme, mais c'est pas raciste anti-blanc ce que je suis en train de dire. Je suis pas anti-blanc. Je dis ça. Parce qu'on a grandi ensemble. On les connaît, nous, les fils d'immigrés polonais, les fils d'immigrés italiens, espagnols. Vietnamien, algérien, marocain, tunisien, turc, du monde entier. Il n'y a pas trop de personnes d'Amérique latine, c'est vrai. Pas trop d'Américains non plus, mais
on a grandi avec tout le monde. Dans notre musique, dans le mouvement hip-hop, dans la nation hip-hop, il y a vraiment toute cette dimension liée à la diversité. Jamais ça n'a pu être aussi beau et aussi talentueux si à un moment donné il n'y avait pas eu ces connexions entre ces différentes cultures, entre ces cultures, c'est des vraies cultures là, la culture hip-hop encore, on pourrait questionner sous-culture, etc., etc. Mais la culture maghrébine, c'est une vraie culture. Il y a une vraie culture en Algérie, même si elle est associée à la culture française. Il y a une vraie culture au Maghreb, il y a une vraie culture dans les pays africains, même s'ils sont anglophones ou francophones. Et tout ça, c'est forcément lié à la colonisation, la décolonisation, et aussi à l'esclavagisme, etc., etc. En France, il n'y a personne qui revendique, il n'y a personne qui se bat, il n'y a personne qui monte au créneau, il n'y a personne qui a envie de mourir pour ses idées. On a pu le voir aux États-Unis, personne qui est capable de s'associer et dire des choses. Il n'y arrive pas. Je ne sais pas si c'est parce que c'est l'ancien continent, ou je sais pas, une espèce de culture comme ça, ou peut-être que c'est pas assez violent non plus. Peut-être que comme aux États-Unis, c'est vraiment la discrimination, la ségrégation, l'apartheid, c'est vraiment extrêmement violent. Ça a été extrêmement violent dans les ghettos. Peut-être que c'est ce qui fait qu'ils sont. Peut-être qu'en France, on est un petit peu entre les deux. Et tant mieux, c'est aussi ça que je dis. C'est que peut-être qu'en France, c'est pas non plus. On a des possibilités de faire ce qu'on veut, malgré tout. C'est à tous les niveaux que ça joue, c'est pas seulement au niveau de l'art, c'est à un moment donné aussi les gens, ce qu'ils regardent aussi, ils regardent si on est prêt à vendre notre âme aussi, si on est prêt à vendre notre culture, si on est prêt à vendre notre culture, la culture de nos ancêtres, etc. Moi, je suis super attaché à ça, moi. J'adore justement les aborigènes d'Australie par rapport à tout ça. Je vois que voilà, le territoire, la terre, le sol, ça a un sens très très important pour eux. Ils sont décimés par la drogue, l'alcool, etc., etc. Ils représentent 2% de la population de l'Australie, alors que c'est entre guillemets les autochtones. C'est incroyable ce que les Blancs réussissent finalement à faire en colonisant des peuples entiers. C'est de l'esclavagisme tout ça. Cette ville-là, elle rayonne et il y a de l'argent. Pourquoi ? Parce que les Noirs et les Arabes sont là. Voilà. Avec les Italiens, les Grecs, c'est une ville méditerranéenne. Hein. Donc elle est encore plus magnifique de ce côté-là que même Paris ou la Parisienne, en réalité. Parce qu'il y a des ports, parce qu'il y a des bateaux, parce qu'il y a la pêche, parce que c'est... J'ai vu la nature, en fait la nature surpasse l'homme, la création de l'homme. Et en même temps, regardez, les gens ils viennent pour jeter un coup d'œil, pour regarder. Là on se situe, on voit, là je vois, là, j'ai été là. J'ai un petit peu baladé partout dans cette ville-là et je suis dégoûté quelque part. Il y a une partie de moi qui est un peu écœurée, qui a envie de vomir. Par rapport à ce qui se passe, par rapport à la musique et par rapport au hip-hop et par rapport aux victoires de la musique. On a beau être les meilleurs, on a beau être les architectes, les constructeurs, les instigateurs de tout ça, et finalement, au bout du compte, c'est qui finit par avoir la victoire de la musique? C'est des gens d'origine allemande. Des ancêtres allemands, des ancêtres norvégiens, qui habitent je sais pas où, qui n'ont jamais mis les pieds dans un quartier, entre guillemets, qui vont dans un quartier mais parce qu'ils sont invités, ou ils habitent à côté du quartier, ou ils habitaient très peu dans le quartier, ou c'était des victimes dans le quartier. On ne comprend pas. Parce que les Blancs qui habitent dans les quartiers, ils vivent encore plus dans la misère que les Noirs et les Arabes, qui sont beaucoup plus communautaires, où il y a une culture, il y a un capital culturel extrêmement développé. Déjà, il y a plusieurs langues. On parle plusieurs langues.
parle plusieurs langues, qu'on a plusieurs cultures différentes, qu'on voyage, qu'on va très tôt, on va dans notre pays d'origine, on a des grandes familles élargies. C'est des difficultés, il y a des problèmes. Mais ça fait de nous des gens extrêmement riches. Et les Français blancs des quartiers sont extrêmement pauvres, surtout aujourd'hui. Avant encore, il y avait un mélange, aujourd'hui. C'est la vérité, n'importe qui peut vous le dire. Même eux, ils rejettent encore plus la France que les Noirs et les Arabes. En réalité. Ben, je sais pas, voilà, il y a le hip-hop, il y en a qui arrivent à tirer leur épingle du jeu et utiliser instrumenter le hip-hop pour devenir des personnes extrêmement importantes dans le paysage musical et artistique français. Vous savez, j'ai vu par exemple, Orelsan, je l'ai vu sur scène à plusieurs reprises. C'est un tueur. J'ai été épaté. Pourtant, il y a plein d'autres artistes, hein, super connus. Hein. Je l'ai vu, c'est un des meilleurs. La prestation, elle est incroyable. Voilà. Moi, je l'ai découvert avec les talents fâchés, avec toute l'équipe de Rof, de Vocal, de Groupe, etc. Moi, je l'ai découvert à ce moment-là. Il fréquentait vraiment le gratin du rap français, etc. Et aujourd'hui, voilà. Des mecs aujourd'hui ils décollent et en fait ils mangent tout le gâteau. Je sais pas s'ils s'expriment, je sais pas s'ils disent des choses. Il y a SCH que je connais pas, qui fait partie de cette ville là, ou du moins qui habite à côté de cette ville, Marseille. C'est un peu exprimé, qui a fait une espèce de discours du Corée. Moi très sincèrement, j'aurais bien voulu qu'il pose son emblème, son monument qu'il avait dans les mains là, cet objet là qu'il avait dans les mains là. Cette récompense, j'aurais bien voulu qu'il la dépose par terre, sur le sol. Ils disent non, c'est pas que je la mérite pas, je la mérite, mais parce qu'il y en a d'autres qui la méritent aussi, je la prendrai pas. Ou peut-être, tiens, je vais la casser et je vais en donner un morceau à lui, un morceau à lui, un morceau à lui. Il y en a aucun qui est capable de faire ça. Ça, je crois, c'est les blancs, c'est les noirs, les arabes. Ça monte tellement haut à un moment donné que ça prend plus, ça pense plus à personne, c'est complètement narcissique, c'est complètement égocentrique. Et voilà, vous voyez, c'est ça en fait. Il y a plein d'Américains dans des festivités, des événements américains, qui décident de ne pas venir, qui décident de boycotter, et parce qu'ils sont pas d'accord. Voilà. Il y a Marlon Brando une fois qui a proposé, je crois, un Indien d'aller chercher son trophée. J'ai un souvenir comme ça. Voilà. Vérifiez, vous verrez. Pourquoi les gens ils font des choses comme ça? C'est pour dire des choses. À un moment donné, ils arrivent, ils montent en l'air, mais ils disent quelque chose. Et moi, je trouve que les rappeurs, c'est là qu'ils sont décevants. Peut-être qu'ils sont bons, peut-être qu'ils font de la bonne musique. Il n'y a pas de revendication. Et même pour ceux qui revendiquaient au début, aujourd'hui, ils se regardent le nombril et l'argent qu'ils ont sur leur compte tous les matins à 8h, ils regardent s'ils ont encore leur argent et ils en profitent à tous les niveaux et ils font rien et ils créent une petite association à gauche ou à droite comme ça, ils donnent rien, ils donnent que leur musique pour se faire voir. Voilà, c'est ça moi en fait que je trouve marrant et je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui à un moment donné finissent par lâcher l'affaire par rapport à ce monde-là, parce qu'ils finissent par comprendre à un moment donné, très rapidement, même inconsciemment, ils se tirent une balle dans le pied parce qu'ils comprennent que ça ne correspond pas à ce qu'ils voulaient à la base, c'est-à-dire exprimer des émotions fortes par rapport à des inégalités mondiales, nationales, de quartier. Voilà, dans ce quartier-là, dans le quartier qui est juste là, il y a un quartier où ça va, il y a un autre quartier qui est juste à côté où c'est la misère. Toujours regarder un petit peu ce qui se passe chez les voisins. Et là, si des barres de béton, la musique populaire,
La musique urbaine, voilà ce mot-là qui ressort, la musique urbaine. Ils parlent même plus d'hip-hop, plus de mouvement hip-hop, ils parlent de rap et de musique urbaine. Et c'est comme un peu aussi au niveau de la danse, au niveau du breakdance, etc., de la danse. Ils arrivent à faire des Jeux Olympiques aujourd'hui, etc. Et à squeezer les gens qui ont fait cette danse-là, elle a pu arriver à ce point-là. Voilà. C'est ça qui est troublant. C'est qu'à un moment donné, il y a de la récupération. Et depuis qu'on est gamin, c'est toujours comme ça. Les politiciens viennent toujours récupérer tout. Les businessmen, ils viennent toujours tout récupérer. Tous ceux du business, du commerce, de l'art, ils viennent toujours tout récupérer. Ils viennent nous dire ça c'est bon, ça c'est mauvais, ça c'est pas bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est bon. C'est que du Twitch. C'est que de. C'est ça la vérité. Moi, en tout cas, c'est ça que je pense et que j'avais envie de dire. Voilà. Par rapport à tous ces sujets-là, je pourrais creuser encore, je pourrais en parler plein. Je pourrais rajouter plein par rapport à cette histoire de musique urbaine. C'est vraiment une arnaque, musique urbaine. Même aux États-Unis d'ailleurs, ils l'ont enlevé. Hein. Super Bowl là, avec Dr. Dre, ce qu'ils font, l'oseille qu'ils mettent, ce qu'ils ont mis pour montrer leur. Ça blague pas. C'est... En France, on est tout petit en fait. C'est franchement c'est tout petit. On est ridicule, on est au bord du ridicule. Et je crois qu'on n'est pas prêt de changer, ça changera. Moi j'ai perdu l'espoir que ça change. Parce que je pense qu'il n'y a aucun artiste français aujourd'hui qui est capable de dire les choses. Parce qu'il a peur de perdre son. Et ils pensent qu'ils sont libres. Tiens, à un moment donné, viens, on essaie de faire quelque chose. Je peux pas, j'ai des contrats. Je peux pas. Il y a des managers derrière moi. Je peux pas. Et pourtant, quand on les écoute, on a l'impression qu'ils sont ultra libres dans ce qu'ils expriment, dans ce qu'ils écrivent. Alors qu'en réalité, eux-mêmes, ils sont sous contrat. Toute la journée, du matin jusqu'au soir, ils sont sous contrat. On les prend très très jeunes pour justement les manipuler comme on veut, en leur donnant un petit bifton, ça gagne très peu finalement. C'est ça la vérité. C'est que dans le monde hip-hop, les rappeurs, ils font croire qu'ils sont libres d'écrire ce qu'ils ont envie d'écrire. Mais c'est pas vrai en réalité. En fait, on leur dit, on leur explique ce qu'ils doivent écrire. Et pour avoir vu pas mal d'artistes avec qui j'ai discuté, il y en a certains qui sont sortis de leur maison de disques parce qu'à un moment donné, ils ont refusé ça. Ils ont dit non, moi j'écris ce que je veux. Et la maison de disques, elle a dit non, stop, on arrête de travailler avec eux. On casse le contrat. Ce qui fait qu'après, les mecs ils se retrouvent 4, 5 ans sans pouvoir sortir d'album, etc. Mais les gens ne sont pas forcément au courant de tout ça. Mais c'est ça que je veux dire, c'est que. Il n'y a pas de liberté en réalité. Surtout chez les plus jeunes rappeurs, ils font croire que voilà, ils sont libres, ils ont des grosses bagnoles, ils font des clips, ils se promènent, ils montent dans l'air, en souterrain, dans un sous-marin, ils font des clips. Mais en fait, ils ne sont pas libres. Donc la culture urbaine, la musique urbaine, elle ne représente pas les quartiers que vous voyez, que je vous montrais là-bas. Les gens qui sont là-bas, ils sont. Livrés eux-mêmes, ils doivent se débrouiller avec eux pour manger. Dans leur assiette. Eux, je pense que très sincèrement, en fait, eux, ils en ont rien à foutre de la musique en fait. Parce que ils en ont rien à foutre du rap. Parce qu'ils sont intéressés, c'est juste de manger. Et en plus, il ne faut pas non plus repartir, et là je vais arrêter, partir dans le délire où vous pensez que tous les gens qui sont dans ces quartiers-là, ils vont du shit, ils vont de la cam, ils vont de la drogue, ils vont des conneries pour avoir du fric. C'est pas vrai. Il y a plein de gens qui vont se lèvent, qui vont aller travailler, quand même pas écouter de la musique. Ou, en tout cas, ils n'écouteront pas de rap parce qu'ils sont compris que pas des conneries. Ils écoutent d'autres musiques, de la vraie musique, de la bonne musique, du monde entier. Chez nous, il y a de la bonne musique, attention. Chez nous. Quand je dis chez nous,
c'est censé être de la bonne musique. Les Portugais nous ont fait écouter de la bonne musique, les musiques brésiliennes, les musiques aussi traditionnelles vietnamiennes. On a écouté tout ça, qu'on le veuille ou pas, ou antillaise, ou... on a écouté tout ça. Le rap, c'est devenu un instrument de manipulation des masses populaires et de diffusion d'une mauvaise image de nos quartiers. Quand ils ont envie, les politiciens, d'instrumentaliser ces quartiers pour faire leur politique sécuritaire. Victoire de la musique, bah voilà, c'est une grosse tchatch, moi je regarde même pas et j'ai même pas envie de regarder, et ça m'agace, ça m'énerve et je trouve que les gens ils ont pas de couilles, voilà, soyez courage, faites des discours, faites ce que vous voulez, en fin de compte vous avez pas de courage, c'est ça la vérité, vous verrez que vous avez pas de courage, vous avez une occasion, vous avez des occasions, on vous a donné des occasions. Vous êtes déculpabilisé en faisant des discours comme ça, rapides. Ouais, ok, nanana. Mais en fin de compte, c'est juste un petit peu déculpabilisation uniquement pour pouvoir continuer à être légitime dans la sphère musicale. Le hip-hop est mort. Il y a un album de Nas. Hip-hop is dead. Moi j'avais pas compris avant ça, je comprenais pas. C'est comme si c'était le mec qui sort un album de rap et il met ça dans son titre. Mais là j'ai compris en fait. Avec un autre album où il a pas son dos et on l'a fouetté, il y a un N et je me souviens plus du titre exactement, il y a un N en fait et on l'a fouetté. Voilà, ça c'est des artistes. Nas, les mecs comme Nas, c'est des vrais artistes. Incroyable. Voilà, pour moi ça c'est des vrais artistes. Engagés qui n'ont pas changé leur position et qui représentent le peuple. Le peuple. On s'en fout après. On s'en fout. Tu viens de quartier ou du centre-ville ou d'un quartier populaire ou t'es un bourgeois, on s'en fout. L'essentiel c'est de se respecter. Voilà, c'est tout. Et là, franchement, on ne nous respecte pas. Notre musique, parce que c'est notre musique, mais on ne respecte pas. Hakimo, c'est pas.